Monsieur le ministre, merci de nous accorder cet entretien pour TF1 et LCI. Cela fait 3 mois maintenant que la Russie a déclenché son opération militaire en Ukraine. Et depuis, la Russie se retrouve face à l'Occident, unie contre elle sur le terrain, sur le champ de bataille, mais aussi sur la scène internationale, accusée de crimes de guerre. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de cette opération militaire, de cette guerre? Est-ce un succès ou plutôt un échec? Vous savez, contrairement à nos collègues occidentaux, nous ne courons pas après les effets de manche et nous ne cherchons pas une approbation ou un succès pour les actions que nous entreprenons sur la scène internationale. Nous faisons ce que nous sommes contraints de faire. Nous protégeons les populations, nous protégeons la langue russe qui a été directement discriminée et agressée par les régimes successifs en Ukraine, tant sous Porochenko que sous Zelensky. Nous protégeons l'Ukraine de la nazification qui s'y poursuit depuis de nombreuses années avec la connivence directe de l'Occident. L'Occident ne se souciait pas de ce qui arrivait à la langue russe, à l'éducation russe, aux médias russes, qui étaient interdits par la loi. Pendant des années, nous avons frappé à différentes portes en Europe et aux États-Unis. L'Occident y est resté complètement sourd. Pendant des années, nous avons essayé de persuader l'Occident que l'Ukraine ne devait pas être entraînée dans l'OTAN. L'OTAN s'était déjà rapprochée à 5 reprises de la frontière russe, contrairement à toutes les promesses qui avaient été faites lorsque l'Union soviétique a disparu. L'hypocrisie de l'Occident s'est parfaitement illustrée par les réactions aux décisions prises par les États-Unis et l'OTAN dans des situations telles que la Yougoslavie en 1999, l'Irak en 2003, la Libye en 2011. Toutes ces aventures militaires ont été lancées par les États-Unis sous prétexte que ces foyers de tension représentaient une menace pour eux. Et cette menace, comme vous le comprenez, était à 10 000 km des côtes américaines. Et pourtant, tout le monde a suivi Washington pour détruire d'abord la Yougoslavie, puis l'Irak, puis la Libye. Plus d'un million de civils sont morts dans ces conflits et personne n'a rien dit. Tout le monde a trouvé cela normal parce que le souverain du monde, les États-Unis, commande à tous les autres pays occidentaux. En Europe, à l'exception de la guerre en Irak, où la France et l'Allemagne se sont opposées aux actions injustifiées et totalement inacceptables de Washington, dans tous les autres cas, tous les pays européens ont rapidement convenu que les États-Unis avaient le droit de déclarer une menace pour leur sécurité n'importe où dans le monde et de faire ce qu'ils voulaient. La Russie n'a pas déclaré une menace pour sa sécurité du jour au lendemain. Elle a, pendant de nombreuses années, exhorté l'Occident à ne pas faire de l'Ukraine un pays anti-russe. En d'autres termes, la menace qui pèse directement sur nos frontières et contre laquelle nous mettons en garde depuis des années a été complètement ignorée. C'est pourquoi notre opération militaire était inévitable. Nous avons essayé d'alerter l'Occident depuis très longtemps. Et le président Macron a également parlé à de nombreuses reprises de la nécessité d'une nouvelle architecture de sécurité européenne. Mais les États-Unis ne le permettent pas et ne permettront pas de faire quoi que ce soit. Les États-Unis ont complètement assujetti l'Europe. Et bien sûr, nous voyons le désir de la France de promouvoir son idée d'autonomie stratégique, de sécurité européenne. Et le président Macron en parle régulièrement. Mais aucun autre pays européen ne semble très enthousiaste. Tous disent, même les Allemands, disent que la sécurité de l'Europe est impossible sans l'OTAN. Parlons maintenant de la guerre dans le Donbass, où les combats s'intensifient. J'ai passé près de 3 mois dans le Donbass.
entre Donetsk et Lugansk. Je suis allée à Mariupol plusieurs fois, une ville dévastée où j'ai vu beaucoup de souffrance. Et tous les miliciens, tous les militaires que j'ai rencontrés m'ont dit que cette guerre allait durer et qu'elle serait sanglante. Cette bataille sur le front du Donbass, monsieur Lavrov, est-elle la dernière? Est-ce que l'opération militaire russe va s'arrêter après? Certes, des gens meurent. Mais si l'opération prend autant de temps, comme nous l'observons maintenant, c'est d'abord parce que l'armée russe a reçu l'ordre d'éviter à tout prix toute attaque, toute frappe contre des infrastructures civiles. Seules les infrastructures, les équipements et les effectifs militaires doivent être ciblés. Nous agissons de manière complètement différente par rapport à l'armée ukrainienne et au bataillon néo-nazi ukrainien qui utilise simplement les civils comme boucliers humains. Si vous avez été sur place, vous avez probablement vu ou entendu comment ces bataillons ukrainiens placent des armes lourdes dans les zones résidentielles, près des écoles, des hôpitaux et près des jardins d'enfants. Vous savez aussi probablement comment ils bombardent régulièrement Donetsk, les zones résidentielles de cette grande ville, comment les civils en souffrent. Notre objectif évident, c'est bien sûr de repousser l'armée ukrainienne et les bataillons ukrainiens en dehors des régions de Donetsk et de Lugansk. Pour le reste des territoires en Ukraine, où il y a des gens qui ne veulent pas rompre les liens avec la Russie, ce sera à la population de ces régions de décider. Je ne pense pas que ces habitants seront heureux de revenir sous le pouvoir d'un régime néo-nazi qui est totalement russophobe. C'est au peuple lui-même de décider. Y aura-t-il des négociations, enfin, de réelles négociations de paix? Et que demandez-vous concrètement à l'Ukraine aujourd'hui? Nous ne voulons pas dire que la voie pour renouer un certain dialogue est coupée. Mais nous jugerons désormais les intentions européennes uniquement sur la base d'actions concrètes. Vous savez, nous ne demandons que ce que le président Poutine a déjà annoncé depuis le début de l'opération spéciale. À savoir que le régime de Kiev cesse de tuer des civils dans le Donbass, comme il le fait depuis 8 longues années, depuis le coup d'État en Ukraine en 2014. C'est pourquoi nos objectifs sont donc de protéger les civils du Donbass, de démilitariser l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir d'armes sur son territoire qui représentent une menace pour la Fédération de Russie. Nous voulons aussi rétablir les droits de la langue russe, conformément à la Constitution de l'Ukraine, que le régime de Kiev a violé en adoptant des lois anti-russes. Mais il faut aussi dénazifier l'Ukraine, parce que les idées et les actes néo-nazis font partie maintenant de la vie en Ukraine. Est-ce qu'il y aura d'autres batailles après cette bataille sur le front du Donbass? C'est la question que se posent beaucoup d'Européens. Notre priorité absolue, c'est la libération des régions de Donetsk et de Lugansk, qui sont désormais reconnues par la Fédération de Russie comme des États indépendants. Pour être clair, les républiques de Donetsk et de Lugansk vont être annexées par la Russie? Vous savez, il ne s'agit pas d'annexion. Il s'agit d'une opération militaire demandée par les États souverains que sont les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, en vertu de la Charte des Nations Unies, dont l'article 51 prévoit le droit de légitime défense individuelle et collective. Nous défendons les populations et nous les aidons à rétablir leur intégrité territoriale. Évoquons les relations de la Russie et de la France. Entre les sanctions économiques qui se renforcent chaque jour, avec les canons français qui arrivent côté ukrainien, les expulsions de diplomates de part et d'autre, est-ce que la France et la Russie sont encore des partenaires?
Vous avez parlé d'expulsion croisée de diplomates, mais nous n'avons chassé personne. Ces sanctions sont hystériques. Je dirais même qu'elles indiquent une impuissance. La rapidité avec laquelle elles ont été imposées et leur ampleur montrent certainement qu'elles n'ont pas été rédigées du jour au lendemain. Elles ont été préparées il y a longtemps et il est peu probable qu'elles soient levées dans le futur. Les États-Unis ne le disent pas publiquement, mais dans leurs contacts avec leurs alliés, ils disent que lorsque tout cela sera terminé, les sanctions resteront en vigueur. Donc, en fait, l'Ukraine n'est qu'un outil, une pièce de rechange. Il s'agit d'étouffer le développement de la Russie, car la Russie empêche le développement d'un monde unipolaire que Washington a proclamé avec l'assentiment de l'Europe. Et je ne sais pas ce que l'Europe a à gagner dans cette situation sur le plan géopolitique. Tous les experts politiques le disent. Le principal perdant de cette histoire, c'est l'Europe. Le président Macron, depuis le début, n'a jamais coupé le canal de communication avec le président Poutine. Est-ce que vous souhaitez qu'il continue ainsi? Et pourquoi faire? Vous savez, nous ne nous imposons à personne. Si quelqu'un veut nous parler, le président Poutine ne refuse jamais la demande d'un homologue qui demande un appel ou une rencontre en face à face. Tout le monde le sait, moi et les autres membres du gouvernement russe, nous faisons de même. Donc qu'attendez-vous précisément de la France et du président Macron pour terminer ? Si le président Macron approche le président Poutine avec une proposition de communication, je vous garantis qu'il sera reçu. Nous ne nous imposons à personne. Nous entendons la Russie être accusée publiquement d'agression par tous les dirigeants de l'Union européenne, sans exception, dans un langage assez belliqueux. Nous l'entendons. Donc, si derrière ce langage, il y a une volonté d'agir sur les problèmes et sur les causes de la crise actuelle de la sécurité européenne, alors nous serons toujours prêts à discuter. Si le président Macron, qui a une relation de confiance très ancienne avec le président Poutine, propose une discussion, je le réitère, cette proposition sera acceptée. Je dois dire, à mon immense regret, malgré les visites du président Macron et les bonnes relations de confiance qui existent entre lui et le président Poutine, la France joue un rôle actif en Ukraine et alimente le nationalisme ukrainien et le néonazisme. Nous sommes tristes de le constater. La France arme activement l'Ukraine, y compris avec des armes offensives, et elle réclame une guerre jusqu'au bout pour vaincre la Russie. Nous avons dépassé notre temps. Est-ce que vous me permettez encore une question ? Allez-y, je vous en prie. Vous êtes certainement l'un des ministres les plus proches du président Poutine. On imagine que vous discutez avec lui chaque jour. En Europe, certains disent qu'il est malade, d'autres inquiets, d'autres énervés parce que son plan initial de guerre n'a pas fonctionné. Comment va-t-il ? Vous savez, le président Poutine apparaît en public tous les jours. Vous pouvez le voir sur les écrans, lire ses discours, écouter ses discours. Je ne pense pas que les personnes saines d'esprit puissent distinguer un quelconque symptôme de maladie chez cet homme. Merci, Monsieur Lavrov, de nous avoir accordé cet entretien pour TF1 et LCI. Merci. Dans cet entretien avec TF1 et LCI, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie, défend la justification de l'opération militaire en Ukraine. Il affirme que la Russie protège les populations russophones et combat la nazification en Ukraine, tout en dénonçant l'indifférence de l'Occident face aux préoccupations russes, telles que l'expansion de l'OTAN. Il critique l'hypocrisie des actions occidentales en Yougoslavie, Irak et Libye, et dénonce l'implication de l'Occident dans le soutien militaire à l'Ukraine.
Lavrov insiste que l'armée russe vise uniquement des cibles militaires et accuse les forces ukrainiennes de se servir des civils comme boucliers humains. Il réitère que l'objectif principal est la libération du Donbass, tout en laissant la décision du futur statut des autres régions aux habitants. En ce qui concerne les relations avec la France, Lavrov exprime un certain regret concernant son soutien militaire à l'Ukraine, tout en laissant la porte ouverte au dialogue si des propositions sérieuses sont faites. Enfin, il réfute les rumeurs sur l'état de santé de Vladimir Poutine, affirmant qu'il est en pleine forme et continue d'apparaître en public régulièrement. Les propos de Sergueï Lavrov reflètent la position classique et stratégique de la Russie face à l'Occident dans le contexte de la guerre en Ukraine, mais méritent une analyse plus approfondie pour en saisir les nuances géopolitiques et les implications à long terme. Tout d'abord, Lavrov met en avant une vision selon laquelle la Russie se positionne en tant que protectrice des populations russophones et garante de la stabilité régionale. Cependant, cette justification humanitaire, qu'il articule en invoquant la protection de la langue et des droits culturels russes en Ukraine, peut être vue comme un prolongement d'une stratégie plus large visant à rétablir l'influence russe sur les anciens territoires soviétiques. En fait, ce discours fait écho à la doctrine Poutine, où la protection des minorités russes sert souvent de prétexte à une intervention militaire, tout comme cela a été observé en Géorgie en 2008 et en Crimée en 2014. De plus, Lavrov souligne l'inaction de l'Occident face aux préoccupations sécuritaires russes, notamment l'expansion de l'OTAN. Ce point mérite une réflexion plus poussée. La perception russe de l'OTAN comme une menace existentielle contraste avec la vision occidentale de cette organisation comme un outil de défense collective. En accusant l'Occident d'hypocrisie pour son interventionnisme militaire en Yougoslavie, en Irak et en Libye, Lavrov cherche à légitimer l'action russe en Ukraine en la plaçant dans une continuité historique de grandes puissances protégeant leurs intérêts. Cette rhétorique renforce une polarisation géopolitique entre une Russie qui se perçoit comme assiégée et un Occident qui se considère comme défenseur d'un ordre mondial fondé sur des règles. L'un des aspects les plus marquants du discours de Lavrov est son insistance sur la dénazification de l'Ukraine. Cette terminologie, utilisée par la Russie depuis le début du conflit, vise à diaboliser le régime ukrainien en le liant à des idéologies extrémistes. Toutefois, l'emploi répété de cette notion peut aussi s'analyser comme une stratégie de propagande, destinée à justifier l'opération militaire tout en mobilisant l'opinion publique russe et internationale autour d'une cause morale. Cela soulève la question du poids réel des mouvements nationalistes en Ukraine et de la manière dont cette narrative est instrumentalisée pour alimenter le soutien à la guerre. En ce qui concerne la France et son rôle, Lavrov exprime un regret calculé quant à l'implication française dans la guerre en Ukraine, tout en réaffirmant l'ouverture de la Russie au dialogue. Cette dualité montre la volonté de la Russie de maintenir des canaux diplomatiques avec certaines puissances européennes, tout en contestant fermement l'unité européenne sous l'égide de l'OTAN. Le positionnement français, avec Emmanuel Macron tentant de jouer un rôle de médiateur tout en soutenant militairement l'Ukraine, illustre la complexité des relations entre la Russie et les puissances occidentales, où diplomatie et confrontation coexistent. Enfin, les rumeurs sur la santé de Poutine, balayées par Lavrov, révèlent l'importance de la personnification du pouvoir en Russie. Le Kremlin cherche à renforcer l'image d'un Poutine en pleine forme et aux commandes, malgré les échecs ou les retards éventuels dans l'avancée militaire. Cette centralité de la figure de Poutine démontre à quel point la stabilité du régime russe repose sur la personne du président et combien la guerre en Ukraine est devenue une composante essentielle de son projet de légitimation interne. En somme, les propos de Lavrov sont révélateurs de la vision russe du conflit et de ses enjeux, mais ils soulignent aussi les divergences fondamentales entre Moscou et l'Occident. Cette guerre n'est pas seulement une confrontation militaire. Elle est aussi idéologique, portant sur la question de l'ordre mondial, de la souveraineté des États et des sphères d'influence. Lavrov, en défendant la position de son pays, met en lumière un monde en mutation, où les tensions entre les grandes puissances redéfinissent les alliances, les valeurs et les priorités globales. En conclusion, les propos de Lavrov révèlent une Russie déterminée à défendre sa vision du monde multipolaire face à un Occident qu'elle perçoit comme dominateur et interventionniste. Sa rhétorique, mêlant légitimation historique et accusation morale, invite à réfléchir sur la répartition des pouvoirs dans l'ordre international et la place des États émergents dans cette dynamique. Pensez-vous que la Russie réussira à établir un nouvel équilibre géopolitique, ou est-ce une ambition vouée à l'échec face à l'influence de l'Occident? Quel rôle les puissances intermédiaires, comme la Chine ou l'Inde, pourraient-elles jouer dans ce jeu de force? Merci de partager avec nous vos avis en commentaire. À très bientôt.